Charles Ferdinand Ramu, lettre à Jean Paulhan. La muette, puis Vaud, Suisse, 9 novembre 1945. Cher ami, cette lettre doit vous arriver en 1h15. Je n'ose pas y croire, mais elle vous apporte du moins mes excuses d'avoir bêtement insisté auprès de vous. Je ne vous savais pas malade. Je ne sais jamais rien. Et qu'elle vous apporte nos vœux de prompte et complète guérison. Je pense d'autant plus à vous que, n'étant pas brillant comme vous savez, je suis en train en ce moment de crever de froid dans une grande maison sans feu. Le froid est pire que la faim, je pense. Merci d'avoir écrit à Gallimard. J'attends donc de ses nouvelles. Il neige pendant que je vous écris. Je pense non sans mélancolie à la rue Boissonnade. Quand la reverrai-je? Et vous? Et Paris? Samuel Belay, c'était le temps où j'avais le goût de la platitude, le souci d'en tirer parti. On a changé sans s'en douter. Et voilà qu'il y a des éditeurs qui vous remettent sous le nez vos élucubrations d'autrefois, qui ne vous rajeunissent guère, c'est même tout le contraire. Je compte sur vous pour me dépanner. J'ai toujours des comptes à régler avec Gallimard. J'attends le départ de quelqu'un de sûr qui se chargerait de ma lettre. On m'avise que ce sera bientôt. Espérons. Soignez-vous, cher ami. Le mois des morts est méchant à Paris. Cette petite boue gluante. Je vous renouvelle mes voeux. Je vous serre la main. C.F. Ramus.